Vandenbroucke gaat. Vandenbroucke gaat nog eens met die grote versnelling. Kijk eens aan, jongens, jongens. Als je spreekt over de logica binnen de wielrennerij, dan gaat je dat met een andere versnelling doen. Maar bij Frank is dat ook een vorm van demonstratie. Het tentoonspreiden van het goed zijn eigenlijk. Hij kan ook wegrijden. Hij zou misschien nog rapper kunnen wegrijden met een kleinere versnelling. Maar ten opzichte van de concurrentie is het indrukwekkender dat je dan met een grote versnelling doet. Dat is overacting. Ja, kijk nog eens goed om. Voilà, dit is genieten, ja, dat is het. Het is in orde. Frank Vandenbroucke, de grootmeester, heeft het waargemaakt vandaag. Zijn eerste wereldbekerwedstrijd. En ik denk niet dat we veel gevaar lopen, José, als we zeggen. En niet zijn laatste. Nee, zeker niet. En ik hoop dat deze man met mij op het einde van het jaar in oktober meegaat naar Italië. Ja, want jij bent ook bondscoach. En... ja, hij is nu nog nooit mee geweest naar het WK, dus ik hoop dat ik hem zover kan krijgen. Zeker de manier waarop hij nu eigenlijk dat ganse voorjaar al rijdt. Hè. Dat is gewoon een supertalent. En ik denk niet dat we daar het laatste al van gezien hebben. Vandenbroucke krijgt de ontvangst van een oorlogsheld in zijn dorp Ploegsteert. Veel mensen over mij dat ik mag bedanken. Familie, de ploeg, mijn vrouw, alles is ja, ideaal. Welkom in het journaal van 7 uur, dit zijn de hoofdpunten. Wielrenner Frank Vandenbroucke wordt door de Parijse drugsbrigade ondervraagd in verband met een dopingzaak. 3 weken na zijn overwinning in Luik pakt de Franse politie Vandenbroucke, Gaumont en 13 anderen op voor ondervraging. Ze worden gelinkt aan Bernard Sainz, een mirakelgenezer met een reputatie in de paardenwereld. Vandenbroucke heeft Sainz leren kennen via Philippe Gaumont. In het wielermilieu is Sainz beter bekend als Dr. Mabuse. Hij zelf beweert alleen met homeopathische middelen te werken. Vandenbroucke komt snel weer vrij. Zijn ploeg Cofidis schorst hem wel voor onbepaalde tijd. In het café van zijn moeder in Ploegsteert staat Vandenbroucke de internationale pers te woord. J'ai eu, je veux dire, j'ai encore la conviction que les traitements de monsieur Sainz étaient homéopathiques et naturels comme il me l'a dit. Malgré aujourd'hui un peu mes doutes et la peur que j'ai de savoir ce qu'il m'a fait. J'espère de ne pas être trompé, je dis mais j'ai des doutes. La force de Bernard Sainz, c'est qu'il a une très très grande influence sur les gens, et notamment sur les cyclistes. Il aurait dit à certains coureurs d'aller se jeter dans la rivière, certains coureurs l'auraient fait. Frank heeft altijd Bernard nodig voor die magie, die guru type van Bernard. Quand vous voyez toutes les choses qu'il est capable de faire, et puis toutes ses connaissances, cet homme-là, je veux dire, c'est la science du vélo à lui seul. La première fois que j'ai rencontré Franck, l'impression qu'il m'a fait, c'est l'impression de vouloir s'investir peut-être encore plus en découvrant des préceptes, des principes méconnus de la médecine traditionnelle, mais découvrir d'autres horizons. Et j'ai dû le garder au moins 2h30 pour l'interroger. Et je lui ai posé des questions tellement étonnante sur sa famille, sur son parcours, sur son passé. Par exemple, lorsqu'il rentrait dans un lit, est-ce qu'il préférait avoir des draps chauds, tièdes ou froids? Est-ce qu'il sortait les pieds du lit? Donc ce sont plein de questions que les praticiens homéopathes posent pour connaître des particularités du tempérament d'un individu, pour pouvoir leur donner des remèdes appropriés. Et toutes ces questions l'ont intrigué, et je crois que c'est ce qui a établi un contact très fort dès la première consultation, et qui aujourd'hui encore demeure très présent. Ik dacht in mijn eigen van, in het begin zo, van,
dat kan toch niet zijn, wie laat zich nu in met iemand zoals Sainz, weet je, dat was een beetje de persoon die beschouwd werd als de charlatan. Geen enkele wetenschappelijke background, niets eigenlijk, komt uit het niets, komt uit een heel aparte wereld. Maar je weet aan de andere kant ook, in de sportwereld zijn er zoveel die rondlopen. En je kunt op dat moment alleen maar zien en toekijken en wachten eigenlijk wel. En dan denk je altijd, waar een rook is, is er vuur, hè. Zo eenvoudig is dat. Il me soignait avec des plantes, des produits, même pratiquement dans ces bases de produits, il y a un peu même des venins de serpents, parce que on donne une substance vénéneuse pour évacuer les toxines du corps. Il m'a dit que préparation comme Bernard n'y met, donc d'avoir moi Bernard ou Nissen, il n'a nooit un doping product gekregen van Bernard. Zijn druppels misschien wel. Maar zijn druppels, wat zit er daar dan in zijn druppels? Niets, niet zeker, ja. Nous avons besoin, parfois, de nettoyer l'organisme et je recommande très vivement des jeunes avec absence totale d'alimentation pendant 3 jours, un grand coup de karcher. Et il a adhéré complètement à ces principes. C'est déjà une très grande épreuve, non pas cycliste, mais une épreuve qui me permet de tester les individus. S'ils arrivent à passer ce cap, on ressent leur motivation, je sens l'individu très investi et je pressens une grande saison. Quand il n'y a pas le Fair Science Lavelot 99, je ne sais pas comment serait déroulée ma vie. Avant, j'étais un petit ange. Après, j'étais devenu une autre personne, complètement. Complètement une autre personne. J'étais plus le Franck qu'on a connu. Lui, apparentemente, sembrava un atleta molto sicuro dei propri mezzi. Probabilmente non lo era fino in fondo. Questo era forse un po' fragile di carattere. Fortissimo quando tutto andava bene, ma debole nei momenti un po' più difficili. Et questo secondo me è stato il suo tallone d'Achille. J'avais un grand manque d'éducation pour affronter n'importe quelle situation négative. Et là, vraiment, je me sentais comme le sanglier qui est traqué par tous les chiens. Je me sentais comme ça. Je me sentais vraiment visé. Ça a été le départ de ma dépendance à beaucoup de médicaments et de drogues pour pas penser, pour pas vivre la réalité, pour pas affronter les choses. Les 2 mois qui ont suivi mai 99 ont été tellement destructeurs parce que le mécanisme s'était mis dans ma tête. Dat stelt niet uit dat het misschien al voordien was geweest nu of ja, wat is drugs inderdaad. Je kunt ook en ik wil ze kunnen ook amfetamines nemen en slaappillen verdienen om te slapen met allemaal hele patronen, iedereen kent dat wel. Dus dat is de eerste keer dat we echt weer geconfronteerd met het drugsgebruik van Frank. Ja. Le grand problème oui, était aussi que ma vie sentimentale était en train de bouger. Mon amour pour Clotilde, qui était donc ma compagne depuis 6 ans, où on avait eu un enfant au mois de février ensemble, Cameron, disparaissait. On devait se marier, je pense, le 30 octobre. On devait aller prendre la salle, faire les listes des personnes qui venaient, les repas. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai dit non, je ne viens pas. Je veux annuler le mariage. Je n'ai pas dit que je voulais la quitter parce que je n'arrivais pas encore, mais je veux annuler le mariage et je ne veux plus le faire. Peut-être plus tard. Peut-être